Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de l'heure pour regarder la vidéo. Moi, invitez-nous toutes pour nous abonner, commenter, like vidéo. Une raison que moi prends l'initiative pour ouvrir comme ça, c'est pour nous présenter toute l'histoire d'Haïti. Parce que je connais un peu de nous qui ne connaissent pas l'histoire réelle. C'est pour ça que moi que compte ça. Et là, vraiment intéressant que si nous regardons pour nous encourager. Faut nous encourager pour nous faire plus de vidéos. Parce que si nous pas encourager, nous ne pouvons pas faire de vidéos. Et je salue un gros bout de tonton professeur qui s'est assis pour ce jour. C'est lui-même tout qui a aidé. Ensemble avec parti ça. Tant pis, s'il vous plaît. Je vous invite à nous, venez regarder, venez bon like et puis commentez, pas oublier, surtout commentez si nous remèl ou si nous pas remèl. Si vous pouvez modifier, si vous pas modifier. Ok, je vous remercie tous. Merci. Juste avant de commencer, je remercie l'université Fisekam. L'université ça a trouvé dans Chris Roy. Par rapport à travail histoire qui fait sur Chanel YouTube, Asnelon Histoire. L'université a décidé d'honorer M. Bossejou. Et finalement, l'université Fisekam ben M. Bossejou en plaque d'honneur. Nous souhaitons l'université à longévité, prospérité. Nous souhaitons le succès. À peine Jean-Claude allait, des chutes ont commencé. Ils ont fait un massacre, un véritable massacre. Comme ils disent, principalement, la même coûte là. Ils ne pas compte si Jean-Claude allait. Cependant, quand ils sont sous pression, il y a le contrat avec des choukaïs là. Ils ont pris un boulet vif. Bon, quand ils ont fourré dans la tête, ils ont pris un boulet vif. Bagage ça d'avoir indigné Mme Max Adolphe. Vous songez, Mme Max Adolphe, commandant Fort Dimanche, en tout puissant. C'est Mme ça, tout tes chefs principaux, la même coûte là. C'est lui qui est commandant chef, milice du Valier. Madame n'a senti le trahi, mais Jean-Claude a dit le pas dit. Et pourtant, la même coûte la madame n'a dirigé, c'est la base régime. Sans ma coûte, le régime n'a pas continué à exister. Mais Jean-Claude a dit le pas dit, madame. Là. Et comme madame n'a pas au courant, ça veut dire soldat n'a pas au courant tout. La même coûte n'a pas au courant. Madame n'a tellement indigné, il va faire des formes pour ça, il décide de touiller tête. Et c'est comme ça, l'aller la caille, il m'y balle, c'est mon m'y balle. L'aller, il veut le faire foulon trop pour lui. Il mettait dans la tête mon yon son cérémonie mystique qui va le faire pour Jean-Claude Katoune. Et vous avez vrai, son tout le fait fouiller pour lui pour le katouiller tête là-dedans. Là, mon yon fin fouiller trois, madame nan dit mon yon mette évacué. Effectivement, mon yon évacué. Madame nan fait de le descendre dans trois. Il te gagne un petit zam de valise li. Et c'est comme ça le regardé, il fusille tête li. Madame Max Adolphe, c'était potomit en régime là. Commandant Fort Dimanche, chef la même coupe là. Il sentit Jean-Claude trahir. Parce que le régime n'a pas posé sur Dol. Jean-Claude Barron droit à l'ébouille Badil. La population est tellement en haine contre le régime du Valier. Il y a des grands cimetières. Il y a les mêmes pour craser tombe du Valier. Effectivement, il veut craser tombe là. Parce que depuis le Duvalier fin enterré, soldat V tombe ça matin, midi, soir. Et tombe ça avant lumière en pied, il dit par Jean-Bétain. La population est allée craser tombe là. En façon, il y a le tchak-tchak, le cadavre là. Malheureusement, il a ouvert ce qu'il a, il n'y a pas du Valier. En dans ce que là, j'en ai un bible qui a un chapeau pour couvrir et sur tête chapeau, j'en ai un petit bâton en or. Bagage, ça t'est déjà arrivé par François Duvalier. Duval Duvalier. On vous propose d'aller dans le grand cimetière. Vous déterrez le cadavre de Papa Duvalier. Vous tchak tchak et puis vous battez journée avec Poupou. Et c'est la raison ça qui fait famille François Duvalier, vous prenez précaution. Vous prenez précaution pour enterrer Duvalier dans le grand cimetière. Parce que vous comptez depuis le régime de tombé, vous n'avez pas écrasé tombe Duvalier. Et comme vous n'avez pas joué le cadavre François Duvalier, vous allez écraser tombe. Garcia Jacques. Duvalier, mon seul monde qui te fait confiance, c'est Jacques. Et ça fait que Duvalier va mourir, il est Jacques. Il dit Jean-Claude Lamel. Il nomme le commandant cadre présidentiel. C'était mon confiance, Duvalier. Et ce seul nègre qui a parlé fort avec Duvalier, parce que Duvalier te fait confiance. Donc, avant Jean-Claude Lamel, il était en construire un gouvernement. Il a le gouvernement ça a voté non CNG, Conseil National Gouvernement. Le gouvernement ça a été en tête, Henri Nanfi, William Regala, Prosper Avril. Max Vallée, Alex Inéas, et puis il était un membre de l'opposition, qui c'est M. Gérard Goug. Après Jean-Claude Finalé, le peuple a un green bay a demandé. Faut que tu élimines toute ma coupe. Retirer la constitution, craser le parlement,
éliminer le régime du Valia net, refaire pays. Ça, c'est revendication population. CNJ a pas grand choix. Il est obligé de soumettre à revendication populaire. Et c'est comme ça, le 8 février, il a crasé le Parlement. Là, on finit de craser le Parlement, toujours sous pression populaire. CNJ a crasé l'armée Makoute. Le 8 février, il a pris une décision, il a crasé l'armée Makoute. La. Donc, on y a Makoute dans 3 jours pour remettre ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas chef encore. Nous, nous avons Green Bay, il a demandé pour déraciner le régime, ça net. Un élément qui symbolise le régime, non. C'est le drapeau noir et rouge. Là. 25 février, le gouvernement CNJ a pris une décision, il a retiré le drapeau noir et rouge. Là. Ils ont retiré le drapeau noir et rouge là, ils ont retourné à l'armée rouge là. Alors on a noté, en 1964, François Duvalier proclamait être président à vie, il a retiré le drapeau bleu rouge là, il a retourné à l'armée rouge là. Il a retourné à l'armée rouge là sous prétexte de se désaligner. Même là, nous n'avons pas d'accord avec ça, François Duvalier était fait. Et même là, tout le deal se désaligner, nous connaissons menti. Mais le drapeau noir et rouge là, la vérité, c'était le drapeau des salines. Dans la Constitution 1805, article 20 dit que le drapeau noir et rouge. Les Duvalier retournent avec Noël Rouge là, ils retournent avec sous prétexte pour rendre justice à Dessalines. Ça, son bel geste, même les Duvalier pas dans la ligne Dessalines. Parce que Dessalines sont communistes, sont socialistes, qui bataille contre impérialistes. Duvalier lui-même, il fait alliance avec les États-Unis qui sont puissants impérialistes pour tout les communistes. Ça veut dire que si Dessalines était là, Duvalier n'a pas tout et tout. Donc Duvalier pas dans la ligne Dessalines. Mais n'a pas noté drapeau Noël Rouge là, c'était drapeau Dessalines. Pablier, c'est l'impétion avec Milan Paris, il a tué des salines, il vient avec drapeau bleu rouge là. Drapeau bleu rouge qui a flotté sur tête monument des salines, non. C'est drapeau ennemi, hein. C'est drapeau monde qui tue des salines. Je dis, je ne vais pas comprendre tout ce qui est dit, c'est des salines. Pourtant, ça qui est sacré dans l'histoire du peuple des salines, bon, nous changeons. Pas grand-chose qui est sacré par ce drapeau. C'est environ 400 000 personnes qui mourent par drapeau noir et rouge là. Nous ne devons pas changer. Donc, les divales retournent avec drapeau noir et rouge là. Ils te font bel geste. Même les reconnaître Duvalier par une ligne de saline. Et dans les populations, pas d'accord avec Duvalier. Tout ça qui peut être saut Duvalier, qui peut être mal Duvalier, population en demande pour éliminer. Et c'est comme ça, le gouvernement CNJ prend des décret, il retire le drapeau noir et rouge là, il vient avec bleu et rouge. Qui c'est drapeau pétion, qui c'est drapeau ennemi qui te tué des salines. Il y a des gens qui ont dit que c'est des saliniens, ou après on est des saliniens. Et pendant ce temps, c'est drapeau ennemi qui a accepté qu'à flotter sur la tête des salines, nous tuer des salines encore. Et tout texte qui montre nous drapeau, c'était noir et rouge. Ça, c'est l'autre débat. La population est toujours dans la rue. Ils ont demandé pour arrêter tout le monde qui fait partie du régime du Valéry. Le monde qui était crassé sur le monde. Et effectivement, 25 février, pendant, il a changé de drapeau. Luc Désir sauvé. Luc Désir, vous songez, il fait partie de la police secrète du Valéry. Alors, la police secrète du Valéry, c'est le SD, service de dépistage. Luc Désir, il prend pose pasteur, mais son criminel. C'est un homme qui prend plaisir, il a torturé les gens, il a enregistré les voyous. Il a enregistré les voyous pour la tendre après. C'est un criminel. 25 février, pendant que nous focus dans les affaires de la pour Luc Désir sauvé. Mais, heureusement, l'opposition a été mise en tête dans l'époque là. Il a été mise en tête dans l'époque là parce que 23 février, deux jours avant ça, il a été mise Valéry qui sauvé. Monsieur, c'est Albert Pierre, il a été mise en tête. C'est une raison qui fait l'opposition population a veillé. Donc, les apprend Luc Désir n'importe là. Il va le sauver. La population dirigée au aéroport. Regardez, ils ont envahi l'aéroport. C'est sous gros escorte militaire. Luc Désir il va sortir en n'importe là. Sinon, la population t'a braché. Ils ont pris Luc Désir à bouer dans la prison. Et après, ils ont pris le juge et condamné la mort. Donc, depuis que Tiboulé finit de sauver, la population a veillé. Alors, Tiboulé lui-même, depuis le temps des gens qui ont allé, il est tellement qu'on a fait le crime. La population n'a pas pardonné. Il était toi réfugié dans l'ambassade du Brésil. Et après, en une fête après, elle permet de joindre, il s'est passé pour le quitter le pays. Bah, ça fait gros bruit. Qui j'en fais un criminel comme ça? Gouvernement CNJ a permis de joindre, sauf conduit pour quitter le pays. La population commence à vexer. Ils ont traité CNJ de gouvernement Makoute. Mais Gérard Goub, lui-même qui est dans le gouvernement, Gérard Goub vient trouver une situation difficile. Gérard Goub, son membre fliant opposition. Dans CNJ, c'est ministre justice. Qui j'en fais Albert Pierre joindre sauf conduit? Gérard Goub, pas connaît. Gérard Goub dit là au courant. Et pour Gérard Goub sauver la popularité, puisque la population vient de camper qu'on y a en face CNJ, il a traité CNJ de gouvernement Makoute, Gérard Goub lui-même n'a pas de grand choix, il est obligé de démissionner. Gérard Goub était obligé de perdre le privilège là pour conserver la popularité. Parce que n'importe là, c'est lui qui était candidat favori. Pas aucun autre monde qui était capable de battre Gérard Goub dans l'élection. Parce que non seulement il était une confiance population, hein. Et un homme qui était plus populaire dans l'époque là, c'est Pasteur Silvio Claude. C'est Gérard Goub qui a décidé de supporter l'élection. Qu'on y a avec démission Gérard Goub,
Et Henri Nanfi réformer le gouvernement. Il y a le réduit à trois membres. C'est Henri Nanfi, William Regalan et puis un certain Jacques François. Population toujours protesté. Ils ont demandé pour saisir tout bien Jean-Claude Guéin et toute autorité dans le gouvernement du Valier. Tout le monde qui était supporté le régime. Ils ont demandé pour saisir bien et puis arrêter ou mettre en prison. Et c'est comme ça qu'ils ont pris une décision. Ils ont saisi bien environ 5 ministres qui étaient dans le gouvernement Jean-Claude là. Alix Siné a su pas poser ses les soubiens parce que lui-même il fait partie CNGA. Et même côté a monté en commission enquête administrative pour aller mener enquête sur le gouvernement Jean-Claude. Tout le monde qui était détourné l'argent pays. Donc il a saisi bien. Il a joint Jean-Claude Duvalier, gargoté l'argent pays. Finalement, par bon chiffre exact, sur quantité comme Jean-Claude détourné. Presque toute institution de l'État a mis l'argent pour Jean-Claude. APN, OAVCT, DGI, BNC, ONA, OFATMA. Jean-Claude a plusieurs chèques dans toute institution de l'État. Copie chèque seulement au joint Jean-Claude détourné. Il fait 16 classés. Avec un rapport commission enquête là, donc il y a grand matière pour juger Jean-Claude. Procès a fait en France. Et finalement, il a saisi bien Jean-Claude. Dans toute banque en France, il y a un compte. Il a bloqué le compte. Environ 8 banques ont été en compte. États-Unis ont été en plusieurs cailles. Dans New York, dans Manhattan, dans Floride. Ils ont saisi les cailles. Ils ont été en chaloupe qui portait non Niki, qui évalue environ 2 millions de dollars. Ils ont saisi. C'est Ronald Reagan, même président des États-Unis, qui met l'ordre pour bloquer tout compte Jean-Claude Guéin sur le territoire américain. La population toujours dans la rue. Ils ont toujours revendiqué. L'objectif là qu'on a, c'est venir avec une autre constitution, faire élection et puis mettre ton président dans la tête pays. Parce que le gouvernement, ça, le gouvernement CNG, la population va faire confiance. Tout le monde qui fait partie du gouvernement CNG, c'est le monde qui a collaboré avec le régime Duvalier. Henri Nanfi, c'était le secrétaire privé François Duvalier. Et c'est comme ça, 11 septembre, sous pression populaire, CNG a pris une décision pour monter l'Assemblée constituante. L'Assemblée, ça a duré dans 61 constituants. Mais dans 61, CNGA, ben, il a les doigts pour choisir 20. L'autre 41 a fait élection normalement pour eux, pour le peuple à venir lire. Mais il y a 20 là-dedans, c'est CNGA qui a nommé eux. Vous songez dans le conseil consultatif là, ils ont choisi 15. CNGA a toujours fait un genre pour le monde parle. Parce qu'ils ont connu un populaire. Si tout le monde sait le peuple qui a venu choisir, donc CNGA n'a pas de monde. CNGA a gagné un appartenant du Valier, ce peuple n'a pas fait confiance. Et finalement, l'Assemblée constituante l'a monté. Parmi les constituants, il y a Madame Hippolyte Maniga, il y a Maître Noël Georges. Par rapport à la crise qui toujours gagne dans Port-au-Prince, manifestation, grève, caoutchouc, caboulet, l'Assemblée constituante est obligée à le tabler, mais il y a mais malheureusement, le mouvement populaire envahit tout le pays. Ça fait l'Assemblée à Bakar. Travail go naïf, yon te obligé de retourner Port-au-Prince. Yon élément qui provoque colère population, c'est l'amour Charles Jacquelin. Charles Jacquelin, son militant, il c'est yon principal moniteur, mission Alpha. Mission Alpha, son mission qui proche mouvement de l'église. C'est un pilier mouvement de l'église. Alors songez mouvement de l'église. C'est un mouvement qui renverse Jean-Claude Duvalier. Mouvement ça a été pris naissance principalement en tant d'église catholique. Quand on est fidèle, il est réuni, il a chanté, il a prié, mais au fond, c'est qu'on pourrait faire pour renverser le régime Duvalier. Mouvement de l'église a retourné encore. Et le gouvernement CNG a dit qu'on est ça, le mouvement de l'église a représenté. Donc, il n'y a pas de chance. Et c'est comme ça, il a éliminé Charles Jacquelin. Alors, pour un prétexte, pour citer Soleil là, qui a attaqué, il a dit son groupe bandit qui a attaqué, et puis il a tout monté les gens. Et ça a dit, soldat ou là, qui est là, sous dos Charles Jacquelin. Donc, on a un groupe civil venu, on prend Charles Jacquelin, il y a la velle. Pour toujours dire, on va jamais prendre nouvelle. Donc, avec nouvelle, kidnapping Charles Jacquelin, tout le pays a bloqué. Manifestation dans tout le pays. Alors, on connaît le mouvement de l'église, il y a des ramifications dans tout le pays. Donc, l'église catholique ne comprend pas encore. Question, on a disparu, parce que on a revendiqué. Bah, ça va droit à retourner encore. Mon sœur, Willy Romélis, depuis Jérémy, lancé des choukailles là. On quantité l'autre près d'un coup, Père Jean-Marie Vincent, Adrien. Père Aristide, il a relayé message là. Père Aristide lui-même, depuis Saint Jean Bosco, il lance mot d'ordre là. Aristide, c'est ton radical. Chaque dimanche après messe, population tout envie à faire des choukailles. Aristide vivait dans une situation. Il va retourner dans l'église Saint Jean Bosco. Il déplacé là dans l'autre zone. On fera non tout ne saute faire au cap. L'arrivée Saint-Marc, principalement dans la zone Fresino. Là, le monté son embuscade. Machine écrasée. Ça va, c'est 23 octobre 1986. Dans ensemble avec Benjamin Vincent, Adrien, il n'y a pas Aristide. L'autre prêtre, il a été battu. Donc, position Aristide pendant la politique, vient inquiéter l'église catholique.
L'église catholique pas jamais oublié. Jean Duval était fait passer misère. Bac prêtre, tu exilé, tu mettez en prison. Donc quand y a là aussi de retourner avec même discours ça, yo, yo prêt pour même bagarre à l'arrivée. Bagarre ça t'as pas fait conférence épiscopale là et carte Aristide pour un petit temps. Et t'as pas voyé dans son croix d'émission. Les populations apprennent une nouvelle. Regardez, populations déchaînées, yo m'en arraché. Yo dit père pauvre, yo pas déplacé. Père Aristide peuple a tiré l'île. Père pauvre yo. Population aller même sous Ganria pour fouiller toute machine qui a sorti en dedans parce que nouvelle là fait quoi? Yo va déporter Aristide à Rome. Population qui en croit yo dit Aristide pas déplacé. Tes grandes organisations, Solidarité en Jeune et Combi de Veyo, il y a 7 membres là qui décident de faire une grève de faim dans la cathédrale. 15 août qui considère comme fête nationale, fête Assomption. Mais ça va qu'à célébrer. Sous 6e jour grève, les médecins viennent consulter grévision. Yo jeune moun dans un état déplorable, proche de la mort. Et l'église catholique connaît qui impact ça va le faire s'il quitte grévision dans l'église là. Ça va faire quoi impact? Et finalement, l'église a pas le choix. Ils ont été obligés de retourner sous décision transférée à Aristide là. Jour ça, Aristide paraît dans l'église là. Regardez, c'était fête. Depuis le tout, Aristide vient représenter un élément important dans la politique là. À côté des affaires Charles Jacques-Léon, qui soulevait quoi les populations, c'est qu'on l'autre bagaille qui était passé. Ça a passé dans Jean Rabel, massacre Jean Rabel. Massacre ça a fait 23 juillet 1987. Dans Jean Rabel, c'est quand Père Jean-Marie Vincent. Même j'avais Aristide lui-même tout, c'était un radical. Père Jean-Marie Vincent lui-même campé dans Jean Rabel. Il m'a dit faut que Duvalier se paye pour crime le fait payer. Faut que juge, faut que mette en prison. Dans Jean Rabel, c'est quand un groupe Duvalier, principalement famille Lucas, Candelon Lucas. Candelon Lucas, ça fait tout régime Duvalier comme parlementaire. Lucas dit lui-même, il pas fond pas le pape marron. Il rassemble tout ancien Duvalier ici au bon côté. Et puis il monte en l'armée mercenaire. Ils passent à l'action, ils font massacre. Il y a des gens qui parlent de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes qui massacrent. La famille Lucas font massacre dans Jean Rabel. Pendant plusieurs jours, les partisans Lucas ont poursuivi la population en bois, massacrer. Henri n'a pas dit rien. Parce que tout simplement, Père Jean-Marie Vincent, il est en face CNG, il est en face Henri Nafi. Principale revendication, il a demandé faut qu'Henri Nafi quitte le pouvoir. Donc c'est une raison, là, Lucas fait massacre dans Jean Rabel, le gouvernement CNG n'a pas dit rien. C'est jusqu'à après, on finit tuer tout le monde, bouler les cailloux, détruire les jardins. Le gouvernement voit une commission enquête. Et d'après la commission enquête, là, on dit que c'est des groupes qui ont bataillé. Malgré ça, l'Assemblée constituante, là, il n'y a pas campé de travail. Et finalement, 10 mars 1987, l'Assemblée constituante, là, remet la constitution. La constitution finit d'élaborer. Ils doivent soumettre la constitution ça à un référendum populaire, à votre peuple. Le peuple a dû venir pour voter la constitution. Donc, référendum populaire, ça a fixé 29 mars. Parti politique, yon mandé population pour habiller en blanc. Jour ratification constitution, ça, là, il y a tout en blanc. Quel que soit moun qui mettons l'autre couleur rat, ou c'est ma coute. Jour ça, tout côté ou passé, moun tout en blanc. Yon article qui fait population réjouir et qui fait que politiciens content. C'est article 291 là. Article ça mette du Valéry sur deux en élection. Depuis c'est moun qui te fait partie régime du Valéry, c'est là que te supporte le régime là. Au bagon doit participer dans l'élection pendant 10 ans. Article 291, là, mettait toute ma coupe dehors. Donc, c'est un article qui fait politiciens contents. Et puis, on demande toute masse populaire, ma coupe baladon, on a voté constitution. Effectivement, vu ça, pas de ma coupe dans la rue. Donc, on y a la constitution élaborée. Le gouvernement prend décision pour monter le conseil électoral. Finalement, le conseil électoral l'a monté. Mais, gros problème qui posait. Le conseil électoral, là, d'après la constitution, il est indépendant. Et c'est comme ça, le conseil électoral, là, les rédigeons avant projet. Et vous soumettre à gouvernement. Mais malheureusement, le gouvernement a publié un décret électoral qui n'a pas rien à voir avec avant-projet conseil électoral a été présenté. Il n'y a pas d'accord décret électoral ça. Il dit ça c'est des camps en une amphi. Au dernier moment, en une amphi, gardez le c'est tout bon. Pays à camper. Il n'y a pas de choix. En une amphi, tu es obligé de publier un décret conseil électoral. Mais tout le monde qui connaît qui est le président. Le monde qui est président, c'est M. Girabou. Politiciens qui plus influent, ils ont décidé de faire alliance avec M. Goub. Qui Confédération Unité Démocratie, qui gagne en tête Evans Paul. Les dit bah Goub pouvoir, c'est Goub qui prend pouvoir. PDCH tout qui gagne en tête Silvio Claude, une nom qui était plus populaire dans l'époque là. Il demande pour CNG aller pour remettre pouvoir avec Girabou. Donc on comprend qu'on y a Girabou en position pour remporter l'élection. Mais l'élection a doit faire. Les États-Unis vont quitter Haïti parce qu'il est dans l'Union soviétique. Parce que Goug c'est un communiste. Et là, je n'ai pas d'accord pour un communiste dans tel pays. Il n'y a pas d'accord pour le film perdre Kiba, pour le perdre Haïti tout. Et finalement, l'élection présidentielle l'a fixée 29 novembre. 29 novembre 1987.
La gala a commencé à dégénérer, c'est dès novembre. Dès novembre, le conseil électoral, là, ben, il canait. Dans 37 candidats pour post-président, c'est 25 Yokembe. Abli, article 291 constitution, il mettait tout Duvalier dehors pendant 10 ans. Depuis c'est moi qui t'ai supporté le régime Duvalier. On m'a écouté, on m'a rendu à l'élection. Et c'est une raison, les Claude Lemont construit parti politique, les partis s'est atterri les brins. Population est l'amour. Politiciens ont mis le peuple dans la vie. Bagage, ça t'a pas le poussin, une amphi, interdit, parti ça a fonctionné. Parti brin. Parce que la population est au clair, ma coûte pas la dole. Donc, on y a de novembre, le conseil électoral, le pays, canet. Et c'est Duvalier Issoupe qui a canet. Duvalier Issoupe a décidé de faire bac. Et c'est comme ça, on a souhait. Ils ont mis des faits dans le local, conseil électoral. Alors, le local, ça a été trouvé dans Rue Bavé. T'es quand même soudainement. Ils ont boulé le tout. Ils ont attaqué plusieurs radios. Comme pour Radio Soleil. Parce que tout simplement, l'élection qu'on a fait là, avec Rive M. Girard-Gou dans tête pays, il n'y a pas plein d'intérêt. Et il n'y a pas plein d'intérêt aux États-Unis. Parce que le gouvernement CNG, les États-Unis, tout ça a besoin. Il y a un avantage aux États-Unis, c'est que le marché a ouvert au commerce extérieur pour produire des produits qui sont sur le marché. Et il y a des produits qui sont franchise douanier. Ça veut dire que les produits ne sont pas payés taxes. Au contraire, ça veut dire que les produits sont sortis dehors et pas payés taxes. Donc, quand il y a un produit, ça vient de vendre plus bas prix que les produits qui sont faits sur le marché national. Le maïs sorti dehors, il ne paye pas taxes. Donc, quand il y a un plus bas prix que le maïs paysan fait. Et c'est là que le plus gros coup dans les impérialistes américains. Et ce ministre finance là, Leslie Delatou, c'est lui qui prend la décision pour ouvrir le marché. Leslie Delatou, c'est un employé banque mondiale. Politique, ça crase les paysans. Mais direction de l'eau avant de prix que dirige la Tibonite là. Pas paysan retenant même. Donc on y a même qui j'en paysan obligé abandonné en dehors, vient bourrer pour ton président faire bidonville. Mais farine qui entre sur le marché, les vendent plus bas prix que farine, minotri fait. Minotri pour l'obligé fermer pour lui. Et puis, il y a milliers de monde qui travaillent dans la compagnie, viennent tomber dans le chômage. Même pas avec le ciment d'Haïti, si manque ce déo à vendre plus bas prix, ciment d'Haïti pour l'obligé fermer pour lui. Même pas avec la crise pour la série d'Haïti, fait que ce déo à vendre plus bon marché, la série pour l'obligé fermer. Et puis, il y a milliers de monde qui tombent dans le chômage. Compagnie ici, à ce qu'on a pour le prince. Des salines dans le sud, Wesh dans le nord, Dabon dans le Léogan, toute compagnie ça va l'obligé fermer. Parce que c'est sick qui sorti dehors, il vend plus bas prix que sick qui fait sur marché. Et compagnie ça te qu'on a pris quand non dans mes paysans. Yo vinn pas capable quand non. Et qu'on a choc quand non dans mes paysans. Au dernier moment paysans, j'étais manchette puis quoi, vinn bouer Port-au-Prince, vinn faire bidonville. Politique ça détruit pays. Je dis Haïti pas grand rien produit. Tout ça pays a consommé sorti dehors. Yo dis même banane, patate, maïs a sorti Saint-Domingue. Zaboka, citron a sorti Saint-Domingue. Nous pas produit rien. Mais politique Leslie de la tour, on traite. Il livre pays. Ya. Tout ça nous consomme aujourd'hui à sortir dehors. Tout ces vieux produits au voyez nous. Bagay qui boutouillent, ou bien bagay qui finissent servir au voyez nous. Tout choc pour t'écraser. Parce que Pepe envahit marché. Qui ça Pepe aye? On regarde le monde fin mette, il voit le baou, et au même moment il prend le poubon. Bagay qui jette dans la boîte fatra, vieux brosse dents, le monde fin brosse dents. Il a le cherché, il a lavé, il a botté baou. Le monde fin mette slip, il qui l'autre, il voit le baou. Mais ça, on fait une rejet. Chop qui te quand fait souliers. Chop qui te quand fait valise, tout fermé. Chop ébéniste, tout fermé. Parce que y a même pépé qu'on y a, qui arrivait sous marché. Mes produits sont rentrés sous marché. Ils ont créé la production nationale. Là. Mais traite, chop livré pays. Depuis un jeune privilège, je ne sais pas ce qu'on a fait l'autre monde. Pays a été écrasé. États-Unis pas fait faute dans la relation pays à pays, pas gagné. Relation pays à pays, chita son intérêt. Et finalement, Ernst Miville, qui est président du conseil électoral provisoire, il dit pas fait bac. Quoi que dans tout pays, il y a boule bête, il y a boule bec. Mais ville dit pas faire bec, il a fait élection quand même. Tant que vous avez bouché, dégâts ont multiplié. Mais pas oublier, États-Unis n'ont pas quitté M. Gouk pour pouvoir. M. Gouk qui a appartenu à ce communiste. Et finalement, ils ont décidé de casser l'élection en ensemble. Son avion militaire américain qui sortit dans la base Guantanamo, qui vient pour autorité dans l'État, mais sous base là. D'après l'ordre américain, l'élection va être faite. Ils ont dû casser l'élection en ensemble. 28 novembre, jour la veille élection. Tout le monde a chanté. Miville dit lui-même qu'il n'a pas fait bac. 29 novembre, quoi que tout le monde a tiré, il dit qu'il n'a pas fait bac. Élection tête droite. Et c'est comme ça, dans Riel Vaillant, dans son Lali, pendant que nous avons voté, nous avons fait un bac dans la caserne de Saline. Et puis, pareil, pendant que nous avons fait un fils de nous. Il y a environ 25 qui mourent là. Ah, massacre, ça arrive trop loin. Donc, nous avons couru tout côté, dans tout coin, dans Port-au-Prince. Pas grand monde qui voulait présenter devant bureau. Tout côté va la chanter. Et finalement, élection a gâté. Élection a gâté dans le sang. Sous complicité États-Unis, très tôt crasé élection dans le sang. Qui ça, États-Unis dit? Ils condamnent ça que fait là. Canada condamne le tout. La France condamne le tout. Même hypocrisie. Un gouvernement pas tape défendre l'intérêt impérialiste là. Regardez, qui t'a fait un sac comme ça. L'armée t'a mobilisé pour venir prendre. Ils ont massacré les gens pendant le campé, ils ont voté.
C'est même Canada ça après qui dit il est prêt pour le bail aide pour élection refaite. OEA a mandé pour élection refaite. OEA a mandé pour élection refaite. Era Abraham qui c'était ministre affaires étrangères. Là aller dans OEA même sous tribune OEA, Era Abraham fait connaître c'est eux même qui crase élection en sang. Il dit au crase élection c'est parce que résultat élection tu gars t'en connaît. Tout le monde connaît c'est Maître Goug qui est président. Parce que la majorité des partis politiques, ils ont appuyé Maître Goug. Mais ça, Era Abraham a dit, c'est que Goug est appartenu à ce communiste. Les États-Unis n'ont pas quitté Goug président. Et qu'on y a, Henri Nafi monte un autre conseil électoral. Élection fixée pour 17 janvier. Candidat qui est influent, ils ont dit qu'ils ont participé à l'élection. Mais Gérard Goug est tiré col. Silvio Claude, Evans Paul Kaplim, Louis Desjoie, ils ont dit qu'ils ont participé à l'élection. Élection fixée pour 17 janvier. Parmi les candidats, eux, c'était Hubert de Ronstre. Alors, songez de Ronstre, c'est un ancien du Valéris. En 1979, sous Jean-Claude, il était ministre des Affaires sociales. Il y a un autre candidat, Victor Benoît, il même tout a accepté de participer dans l'élection. Il y a Leslie Maniga, parce qu'il a voté non, RDNP, il y a même tout, il décide dans l'élection, malgré le massacre. Mais parmi les candidats, le choix impérialiste américain avec Henri Nafi a tombé sur Leslie Maniga. Et par rapport avec tant le fait en exil, donc, il n'y a pas une base populaire. Et c'est une raison que fait, c'est lui-même qui décide de supporter. Étant donné le bloc gauche radical, pas dans l'élection, et il condamne ça qu'il fait là. Il a demandé au peuple pour pas voter. Et finalement, élection faite, résultat, Maniga président. Maniga passé dans l'élection avec un faible taux de participation, environ 7 à 8%.